Que découle l'indépendance. C'est de ce serment que découle la démocratie. Ce serment-là, donc, nous interpelle. Aujourd'hui, c'est un jour qui doit être bien retenu par chaque Congolais. Et les chantillons des Congolais ici présents est un chantillon du Congolais déterminé à barrer la route à qui que ce soit qui aurait toute tentative de venir, de nous faire revenir en arrière en restaurant la résurgence de la dictature. Aussi, nos deux groupements, à l'intention du peuple et à l'intention du communauté, de la communauté internationale, nos deux groupements ont voulu faire la démonstration qu'en des situations de péril du pays, on était capable de se mettre ensemble. Et nous mettant ensemble, nous avons tenu à ce que nous fassions, nous donnions notre position commune face à la situation et particulièrement en réaction au message du président Kabila qu'il a lancé il y a 24 heures. Sans m'éterniser, je vais passer la parole au président Iguéré pour faire la lecture de cette déclaration et ce communiqué conjoint. Je vous remercie. Pour sauver la démocratie et la Constitution, chers compatriotes, l'heure est grave. Nous, membres du G7 et de la dynamique de l'opposition, après avoir suivi le message du président Kabila du 28 novembre courant, avons décidé de faire conjointement la déclaration politique ci-après. 1. Il n'y a plus de doute possible. Il n'y a plus de procès d'intention. En décidant de la convocation de ce fameux dialogue, et en précisant les contours, M. Joseph Kabila s'érige un obstacle principal à la démocratie dans notre pays. Plus singulièrement, en invitant les délégués à son dialogue,
à réfléchir sur un nouveau système électoral avec des modalités de vote moins coûteuses, M. Kabila ne fait plus mystère de son intention manifeste. Planifier et délibérer de renverser le régime constitutionnel pour s'accrocher au pouvoir. C'est un vecteur coup d'État constitutionnel. Non, nous ne sommes pas là-bas. Puisqu'il s'agit là d'une forfaiture et d'une imposture qu'aucun Congolais ne peut accepter. Les membres du G7 et de la dynamique de l'opposition appellent le peuple congolais à l'application de l'article 64 de la Constitution. Puisqu'il s'agit là d'une forfaiture et d'une imposture qu'aucun Congolais ne peut accepter. Les membres du G7 et de la dynamique de l'opposition appellent le peuple congolais à l'application de l'article 64 de la Constitution qui nous assigne le devoir de faire échec à tout Congolais ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation de la Constitution. Sous-oreille aux sonnettes d'alarme, des déclarations, communiqués, messages, prises de position et conseils avisés de la dynamique de l'opposition, du G7, de la Conférence épiscopale nationale du Congo, de la société civile, de la diaspora congolaise, ainsi que des partenaires internationaux sur l'importance du respect absolu de la Constitution de la République, comme gage de paix et de stabilité, M. Kabila démontre qu'il a toujours nourri le projet funeste de vider la Constitution de toute sa substance afin de s'offrir une présence à vie. Tous les éléments de la haute trahison sont donc réunis. 4. Dans l'aspect du 19 au 25 janvier de cette année, le sang du peuple congolais a coulé. Pour faire entendre sa voix, le peuple n'a pas hésité à un seul instant à aller au sacrifice suprême afin d'exprimer son refus de voir M. Kabila se maintenir au pouvoir au-delà du 19 décembre 2016 en violation de la Constitution. Le peuple congolais réprouvait exprimer ainsi son attachement au respect strict de la Constitution et à l'alternance démocratique qui a mis l'expression la plus forte. 5. Après avoir supprimé en janvier 2011 le deuxième tour du scrutin présidentiel, M. Kabila a maintenant décidé de congédier purement et simplement le souverain primaire en lui arrachant le pouvoir de choisir son président de la République au suffrage universel direct. C'est faisant. M. Kabila se présente en incarnation de la gouvernance par défi dans laquelle il excelle. Pour nous, membres de la dynamique de l'opposition et du G7, c'est une responsabilité coupable. Et c'est une déclaration de guerre contre le peuple congolais. C'est faisant. M. Kabila se présente en incarnation de la gouvernance par défi dans laquelle il excelle. Pour nous, membres de la dynamique de l'opposition et du G7, c'est une responsabilité coupable et c'est une déclaration de guerre contre le peuple congolais. Sept,
à la sécurité, à la paix et à la liberté de tous les Congolais, au respect de l'ordre institutionnel, répit dans la Constitution, adoptée par plus de 85% des Congolais, et au respect des règles de bonne gouvernance, mais ce Kabila oppose l'insécurité généralisée, la désacralisation des institutions par leur instrumentalisation, la profanation répétée du budget de l'État, la corruption généralisée, la confiscation des biens et atteintes à la propriété privée, la dilapidation du patrimoine public, le dédoublement et la déstabilisation des partis politiques de l'opposition, les menaces, harcèlements et arrestations arbitraires des opposants et des activistes de défense des droits de l'homme, la confiscation des médias publics ainsi que la fermeture de ceux proches de l'opposition. Huit ans. Devant cette situation, qu'il nous reste-t-il encore? Sinon, le choix de nous lever et de marcher. Voilà pourquoi nous disons non au dialogue. Non. Non au gouvernement de transition. Non à la violation et au changement de la Constitution. Non au référendum. Non au glissement. Oui au respect strict de la Constitution. Oui à la libération de tous les prisonniers d'opinion. Oui aux élections nationales dans les délais constitutionnels. Oui à l'alternance démocratique. Dans tous les cas, le seul événement historique que le peuple congolais attend avec impatience demeure la prestation de serment le 20 décembre 2016 du nouveau président de la République. Du nouveau président de la République élu au suffrage universel direct à l'issue des élections nationales du 27 novembre 2016. 10. Nous, G7 et Dynamique de l'opposition, lançons un vibrant appel à la nation. Peuple congolais, lève-toi et marche. Peuple congolais, lève-toi et marche pour sauver la démocratie et la Constitution. Incessamment, un programme d'action de grande envergure sera annoncé car la liberté s'arrache. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son gouvernement peuple. C'est à Kinshasa, le 3 novembre 2015, le 6e dynamique de l'opposition.